Good morning, allez, Iden, les sous-sens, Jean-Pierre, le Nishmat, François, Fragi, Ben, Hanna, Janine, Ruth, Bat, Fortuna, Vazal, Fitna, Claude, Shomo, Ben, Shalom, si vous souhaitez, vous êtes une prochaine étude de Nishmat, peut-être 5 minutes éternelles. Nous, c'est Jean-Marc Sergouchin, Perigbet, Mishtabet, Hitkachi, Libekos, Zéchal Yain, Venim Sachel Dvash, Shel Dvash, Venim Sachel Yain, Bedina, Zéchal Kesser, Venim Sachel Zahav, Shelza, Venim Sachel Kesser, Almenat, Shani, Ashir, Venim Sahani, Ani, Venim Sahashir, Enam, Kunchet. Rabbi Shimon Omer imit ali jvach mekudeshet. Je traduis directement la Mishnah. Je dis à une femme, itkatchilit bekoze shel yain. Tiens, je te marie avec ce verre de vin. Elle le prend, elle boit. C'est du dvash, c'est du miel. Ou encore, on appelle le contraire. Shel dvash, shel nimsachel. Tiens, marie-toi avec ce bon verre de dvash. Et elle le prend, elle le boit. Et puis c'est du bon vin. Je saute directement à la fin de la Mishnah pour dire que Enam Mekudeshet, que la femme ne sera pas mariée, parce qu'on a défini un acte d'acquisition selon un cadre, on a changé de cadre, même si la femme dit « mais j'aime aussi bien le vin que le miel, ou le miel que le vin », eh ben elle ne sera pas mariée, parce que c'est pas ce que tu as fait. D'accord? Comme il y a encore d'autres cas. Je l'ai dit aussi, marie-toi avec ce dinar shel kesef, marie-toi avec ce dinar d'argent, et puis en fait, je dis, elle le prend, elle ouvre la main, elle dit « waouh, c'est un dinar en or ». Ou encore, on a fait le contraire, Shalzaf, Benimsa, Shalkesef. Je marie-toi par ce dinar en or. Elle ouvre la main et elle voit que c'est un dinar, Shalkesef. Ou encore, un autre cas encore, Almenat, Shani, Ashir, Benimtsani. Marie-toi avec moi parce que je suis un riche. Je suis un homme riche. Tu voulais te marier avec quelqu'un de riche? Alors, tu maries avec moi à condition que je suis riche. Et en fait, il s'avère que je suis pauvre. Quand on définit si je suis riche ou pauvre, je ne sais pas combien il faut avoir d'argent. Je sais c'est quoi un pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas 212. Mais c'est quoi un riche? Alors là, je pense que ça doit être Hassanar Bechelko, je ne sais pas. Donc en tout cas, j'imagine qu'on parle de classes sociales qui sont évidentes. D'accord? Donc à la ménage que je suis un riche, à condition que je suis un riche, en fait, il s'avère que c'est un pauvre. Ani Venimtsa Ashir, ou bien à condition que je suis un pauvre. Elle ne veut pas se marier avec un riche. Je dis, à condition que je suis un pauvre. Et je la marie, en fait, je suis multimilliardaire. Eh bien, elle a mes coups d'échette, cette femme ne sera pas mariée, même comme Albert Noir nous le dit. Même si elle me dit que réellement elle était prête à n'importe quel prix à se marier avec moi, ou même avec un verre de vin, elle aime aussi bien le miel que le vin, elle est prête à tout, concrètement, c'est pas l'acte que tu as fait. Et si maintenant tu veux, c'est pas ce que j'ai fait, d'accord, c'est logique. J'ai fait un acte et j'ai défini que je fais un certain acte et j'ai fait autre chose. Donc il n'y a pas de rapport entre les deux. J'ai pas fait l'acte que j'ai défini, donc je ne suis pas, j'ai pas acquis la femme de la sorte, d'accord? C'est une évidence. Il y a sur ça Rabbi Shimon qui vient et qui fait une remarque très importante. Il me dit attention, attention. Rabbi Shimon Omer imit al shvach mekudeshet. Si Rabbi Shimon me dit, non, s'il a changé, il a trompé, mais en lui donnant quelque chose de plus, dans le sens où le miel coûte plus que le vin, et lui a donné quelque chose de plus grande valeur que le vin. C'est le miel. Ou encore, au lieu de lui donner un dinar d'argent, il lui donne un dinar d'or. On préfère avoir de l'or. C'est sûr qu'un l'or, ça englobe l'ichlal mataim mané, comme ce qu'on dit dans la Gemara. Il y a dans, quand je t'ai dit que je vais te donner 100, allez, je te marie en te donnant 100 shekels, je t'ai donné 200. Ben dans 200, il y a deux fois 100. T'as 100 et t'as même aussi autre chose. Il n'y a pas de raison de dire qu'elle ne sera pas mariée. C'est ce qu'il me dit Rabbi Shimon, en fait. Imite Alishvar, s'il a trompé en lui donnant quelque chose de plus, ça ne s'appelle pas qu'il a trompé. Ça s'appelle qu'il lui a donné, donc elle sera mariée. D'accord? C'est ce qu'a dit Rabbi Shimon. Maintenant, sur ça, pour expliquer pourquoi Rami ne sont pas d'accord, c'est dans la mesure où c'est vrai que si je lui dis que je te marie pas avec ces 100 shekels et je lui donne un billet de 200, elle sera mariée. Mais quand tu modifies entre l'or et l'argent, ou entre le vin, étant donné que c'est deux sortes différentes, qu'il y en a qui veulent a priori comme ci et pas ça, donc il n'y a plus un, il n'englobe pas l'autre, d'accord? Je dis que j'allais me marier avec des chaussettes et je lui donne des super chaussures. Même si on préfère avoir des chaussures au pied qu'à avoir des chaussettes. Non, mais d'accord, mais c'est pas la même sorte. Si tu as dit que tu allais donner une certaine chose et tu as donné cette chose-là encore plus grosse, alors c'est bien. Yesh bichlal mataimane. Dans les deux sens, ça implique les 100. Mais si c'est deux espèces différentes, en l'occurrence l'argent et l'or, eh bien non. Et de la même chose aussi avec le pauvre et le riche. Ça, le Bartholomé nous dit, c'est en rapport d'ailleurs avec la prochaine mitzvah. Quand il y a des classes sociales, quelqu'un qui appartient à la classe des simples, il préfère se marier avec des simples et pas avec des gens des bourgeois qui ont la nuque bien haute et le nez bien haut. Je ne sais pas si c'est dit afgavoir en français, ils ont le nez haut, je sais pas. Donc ils se sentent un petit peu, ils sont un peu trop bourgeois, on préfère les gens simples, qui
qui savent manger avec le poulet avec les doigts sans avoir sans être obligé de tenir une fourchette, un couteau. Elle est simple, ils aiment bien se marier avec les simples, et les riches avec les riches, les bourgeois avec les bourgeois, les nobles avec les nobles. Et donc du coup, sur ça, Rabbi Shimon, il sera d'accord sur ça, que si c'est une question de rang social, alors il ne dit pas que Yesh Bichlal Matayim Anim, mais tant que c'est une question de bien mobilier, immobilier, que je te donne quelque chose de mieux encore, alors un, il est englobé dans l'autre. Concrètement, la halakha est retenue comme Chachamim, que si tu as dit Kesef, ça n'implique pas argent, or, mais si tu as dit or, ça n'implique pas argent, et de même aussi pour le vin et le mil. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Veselah.